Bonsoir à tous, bienvenue sur la FM Télévision, votre journal. On va commencer en politique, on évoquera la sortie du nouveau gouvernement, décryptage à suivre avec Elvis Petui qui est avec nous sur ce plateau avant de terminer avec un mot d'espoir sur le championnat national, le 29e championnat en tout cas qui a donné son dernier mot. Mais commençons d'abord en politique, comme je l'ai dit en amorce, Gidete Soumigna a attendu à l'Assemblée nationale avant le 15 juin prochain pour l'investiture de son gouvernement. Et voilà, occasion pour la Première ministre évidemment de présenter son programme d'action devant en chambre basse du Parlement, comme l'a fait savoir le président de cette même chambre, Vital Kamerhe, et qui a évidemment détaillé les calendriers des activités de la session de mars. On va prendre un peu plus de précisions dans ses commentaires signés Elvis Metti. Lors de la plénière tenue mercredi 29 mai 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a détaillé le calendrier des activités pour la session de mars qui va se clôturer le 15 juin prochain. Et dans ce calendrier figure à l'ordre du jour l'investiture du gouvernement de la République. Désormais, c'est le compte à rebours qui commence pour la première ministre Judith Soumina Touluka et toute son équipe. Au regard des enjeux du moment au pays et face au retard qu'a pris la publication du gouvernement, la première ministre Judith Soumina Touluka doit prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et aller présenter son programme devant la représentation nationale en vue de son approbation avant de débuter officiellement le travail. Cet exercice auquel devra se soumettre la première ministre avant l'entrée en fonction de son gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution de la République. Un des alinéas de cet article stipule ce qui suit. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale les programmes du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Le gouvernement de la première ministre Judith Touluka est composé de 54 membres. Il y a notamment 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres reconduits à d'autres portefeuilles d'État. Ce gouvernement est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays actuellement. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, ainsi que de la situation socio-économique de la population, marquée notamment par la perte du pouvoir d'achat à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais. Eh bien, le nouveau gouvernement a entendu a été finalement publié segment après la réélection de Félix Tshisekedi, près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Touluka. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Elvis Metti. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Chroniqueur politique de la FM Télévision, merci d'être avec nous pour apporter un peu plus d'éclairage sur la sortie de ce nouveau gouvernement. Les attentes, on en parle. Et c'est un plaisir de le faire, comme la coutume et la routine, les attentes. Comme vous le dites, Lionel N'Golo, il y en a beaucoup. Il y a aussi des préoccupations majeures qui essentiellement doivent être relevées par ces gouvernements. Mais les questions se posent juste après la sortie de ces gouvernements. Il y a, moi personnellement, ce qui retient mon attention, ce 3 nominations qui souvent donnent des polémiques dans les chefs de la population. Je vais citer la nomination et la permutation mystique de Didier Bidimbou. On va constater. Côté sport, là, il y a plus d'intérêt. Évidemment, pour les gens qui j'ai d'abord épinglé ces points puisque je sais que c'est aussi partie prenante à cette grande question. Et puis le deuxième problème, c'est celui de la nomination de Constant Moutamba qui est essentiellement un mascarade pour redonner l'image de la participation de l'opposition au gouvernement. Judith Soumina, comme vous le savez, puisqu'on parle aussi de la question de la présentation essentiellement du Premier ministre dans le tout prochain jour au sein de la Chambre basse. Puisque vous avez évoqué Constant Moutamba, est-ce que c'est définitivement quelqu'un qui quitte l'opposition qui pour rejoindre le pouvoir, travailler avec les régimes en place? On pense qu'on peut les prendre comme ça. On pense que c'est ipso facto quand il est essentiellement nommé comme ministre et surtout un ministre de surcroît de la justice. On doit essentiellement savoir que, à temps ou encore en sa qualité de ministre d'État en charge de la justice et garde sceaux, il quitte l'opposition et puis il laisse l'opposition à d'autres personnes. Mais il y a aussi une connotation il faut donner à cette nomination parce qu'il faut comprendre que
disait, Constant Mutamba s'est déclaré et s'y réclame comme étant opposant républicain. Mais on se pose la question, et ici, déjà de rappeler qu'il y a eu des questions qui se sont posées au sein de l'hémicycle, qui il a aussi émis la volonté de travailler au sein du bureau définitif, chose qui n'a pas été faite. Oui. Mais on va essentiellement s'y réveiller avec une grande surprise. Il est nommé ministre de la Justice d'air. Il a épinglé aussi ses points pour dire que il va relever des défis, mais notamment régler cette question de la condamnation de l'agression rwandaise. Mais on se pose des questions. Mais est-ce que sa nomination ne peut pas aussi être question des pouvoirs mais justement, notamment l'expression de l'opposition de la classe politique. Est-ce que cette nomination n'exprime pas la fébrilité dans laquelle se trouve l'opposition actuellement? Je ne pense pas, mais essentiellement, Constant Mutamba a toujours travaillé aux côtés du pouvoir en place, mais il s'est dit être opposant, ou encore il travaille dans l'opposition républicaine, comme nous le savons. L'opposition républicaine n'est pas justement là pour pouvoir contrer ou radicaliser la décision, mais donner de la chance et booster le gouvernement en place en vue de pouvoir faire quelque chose pour le bénéfice de la population. Je vais vous rappeler, puisqu'on est dans les attentes, il y a un fait, et bien avant la sortie de ce gouvernement, les Congolais d'ailleurs s'interrogeaient sur la taille de ce gouvernement qui malheureusement a été réduit de 57 à 54 membres aujourd'hui. Est-ce que c'est une réduction considérable, Elvis Smith? Une réduction considérable, je ne dirais non. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend s'attendait plutôt à ce que ce gouvernement puisse produire dans une approche un peu beaucoup plus de compétences et dans une approche approximative des gens qui sont compétentes mais qui peuvent produire plus de travail au lieu de place des nombres seulement de ministères. Mais je veux aussi peut-être ne pas passer outre ces points que j'avais voulu soulever. C'était le troisième point, la nomination de Noëlla Ayenagato qui est essentiellement confondue avec une célébrité sur le TikTok et sur le comme influenceuse bien sûr dans les réseaux sociaux. En parlant justement de nombre, Lionel Ngolo, vous le savez avec moi que notre gouvernement avec la taille de Jacconi est parti beaucoup plus de cinquantaine de membres. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il faudrait seulement donner ces nombres aussi exorbitants au ministère? Pourquoi ne pas faire essentiellement synthétiser le ministère pour que ce soit un travail très bien fait pour que nous puissions voir des résidents en lieu et place de donner plus de nominations? C'est la question qu'on se pose. Mais on espère que le gouvernement qui est mis en place travaillera pour l'intérêt commun et surtout va respecter les secteurs essentiellement prioritaires pour qu'ils puissent répondre aux aspirations de la population. Je le disais tout à l'heure dans mon journal au début, Judith Toumouka est attendu déjà pour les 15 du mois prochain. Et bien, quel programme d'action? J'espère que vous n'allez pas répondre à sa question, mais ça ne sera pas une tâche, puisqu'on le disait, c'est une première fois que nous avons une femme en tête du gouvernement qui fera face évidemment au Parlement. Et il suffirait non seulement de pouvoir dire que nous avons une femme, mais il suffit aussi que cette femme soit à la hauteur de ses tâches et ses missions régaliennes. Comme étant déjà le chef du gouvernement, on s'attend à beaucoup de choses, sauf que je ne vais pas ici être prophète de malheur, mais on a compris, on a beaucoup vu avec des nominations, sauf sous prétexte déjà de pouvoir évoquer les cas des Warriors avec Samalou Kone qui était entré. Pouvons-nous donner l'idée, le goût, que ferait son gouvernement? Attendons-nous à une dénomination pour le gouvernement, Judith Toulouka. On ne sait pas encore, mais sauf que tout ce que nous pouvons espérer, c'est que Judith Souminois a eu 6 mois de préparer son gouvernement. Et malgré que les uns les autres, on pense que c'est justement un remaniement, c'est une chose qu'on ne peut même pas donner des crédits, mais sauf que ce qu'on peut comprendre ici, et l'année question de pouvoir travailler dans l'intérêt général de la population, mais notamment aussi prioriser les grands secteurs auxquels la population fait face aujourd'hui avec beaucoup de précarité. C'était là votre décryptage. Merci à Louise Métis pour toutes ces lumières. C'était un plaisir et un honneur. Merci Lionel Ngolo. Allez, dans l'actualité, après la rue du Conseil d'État, la commission électorale sera indépendante en son tour à programmer le scrutin pour le vendredi 7 juin et qui sera procédé évidemment par l'étape de la campagne électorale du 3 au 5 juin 2024, selon un communiqué publié par la centrale électorale rendu public le mercredi dernier. Regardez. Faisant suite à l'arrêt REA 421 du Conseil d'État du 24 mai ordonnant l'organisation du nouveau scrutin du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Congo central dans les 60 jours, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé un nouveau chronogramme programmant cette élection pour le vendredi 7 juin 2024. Selon un communiqué de la centrale électorale rendu public mercredi 29 mai 2024, cette élection sera précédée par l'étape de la campagne électorale
prévue du 3 au 5 juin 2024. Pour cause d'irrégularité, le Conseil d'État avait décidé d'annuler l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Dans sa décision, la plus haute juridiction d'ordre administratif avait instruit la Commission électorale nationale indépendante d'organiser de nouvelles élections dans un délai de 60 jours. La décision du Conseil d'État intervenait quelques jours après que la Cour d'appel du Congo central a validé en premier degré l'élection de Grâce Kwanga Bilolo du regroupement politique AVCA de Didier Boudimbou comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou porté par l'Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe. Le gouverneur sortant, Guy Bandou, avait contesté l'élection de Grâce Bilolo en appel devant le Conseil d'État en s'appuyant sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. De son côté, le ministère public avait également demandé l'annulation du scrutin, mais pour une autre raison, notamment l'assistance des grands électeurs par des agents électoraux pendant l'opération de vote, ce qui, d'après le ministère public, constitue une violation des procédures électorales. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloua Télévision. On va placer un mot de sécurité dans ce journal. Un nouveau affrontement intense près des Saka entre le FRDC et les volontaires des voisins Lundo, évidemment, qui ont fait, évidemment, face au M23. L'armée a utilisé, voilà, ses appareils lourds, en tout cas, pour pilonner le positionnement du M23. On va profiter de ces explications de nos reporters. De rudes affrontements opposent depuis tôt ce jeudi 30 mai 2024 le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, près des Sake dans le territoire de Massissi. Selon certaines sources, l'armée a utilisé son artillerie lourde depuis Samsam dans les quartiers Mungunga à l'ouest de Goma pour pilonner les positions du M23 situées dans des collines surplombant la cité de Sake vers trois antennes. Le M23 réplique également en lançant des bombes qui atteignent la cité de Sake. Le trafic entre Goma et Sake est coupé en raison de détonations des armes lourdes entendues dans plusieurs quartiers à l'ouest de Goma et dans les territoires de Niragongo. Certains agents humanitaires travaillant dans différents sites déplacés ne se sont pas rendus au service ce jeudi, craignant pour leur sécurité. Un habitant de Sake en déplacement à Goma a fait savoir que les rebelles du M23 ont lancé des bombes dans la cité de Sake. Ces bombes sont tombées sur des habitations abandonnées par les habitants. Une autre bombe est tombée près de la station de radio communautaire de Sake FM. Aucun bilan disponible car la cité est privée de la connexion téléphonique mobile depuis plus de 4 mois. Ce sont les M23 qui l'ont coupé, a-t-il fait savoir. Depuis le week-end dernier, des combats sporadiques opposent les M23 et les FRDC, appuyés par les Wazalendo, sur plusieurs axes dans le territoire de Massissi. Il s'agit notamment des axes Biyambwe-Massissi-Centre, Sake-Bweremana et Gungu-Rubaya, où plusieurs localités ont été reconquises par les forces loyalistes. Autre chose, coup d'état raté le dimanche 19 mai dernier, la CNDH condamne avec la dernière énergie les auteurs de ces actes longtemps bannis en République démocratique du Congo. Paul Sap Mukulu, j'ai cité, président de cette institution, a par ailleurs indiqué que la CNDH va évidemment s'y rassurer. Voilà, il s'est prononcé tout de même après le résultat des enquêtes Fifi Kalumbwe. Sans aller par les dos de la cuillère, Paul Sap Mukulu, président de la CNDH, est sorti de son silence pour condamner le mode de la prise du pouvoir par les armes, une tentative tentée et ratée à Kinshasa au Palais de la Nation par Christian Malanga et sa bande le dimanche 19 mai dernier. Les Congolais que nous sommes, nous avons conjuré le recours à la force pour accéder au pouvoir ou pour conserver ses pouvoirs. Le mode des élections, le recours aux élections a été choisi comme la meilleure
méthode de conquête ou de conservation de pouvoir. Et cela a été stigmatisé dans la plupart de textes que nous avons produits pour ce pays, notamment la loi fondamentale, y compris aussi les codes pénaux, civils et même militaires. Quant aux spéculations sur l'exécution des assaillants par la garde républicaine, Paul Sapou Mukulu justifie ces faits comme étant une riposte de l'armée nationale, bien que la question des violations des droits de l'homme a été signalée. Lorsqu'il y a ce genre de coups ou de tentatives, parce qu'il n'y a pas un modèle de coup d'État pour dire que voilà, lorsque on perpétue un coup d'État, il y a des règles à suivre. Non. Dans la plupart des cas, ce sont des actions qui produisent beaucoup de violations de droits de l'homme parce que il y a parfois et souvent perte de vie, enfin, qui font ce coup d'État, ne viennent pas en garçon de course, ils sont armés pratiquement jusqu'aux dents et ils attendent à la vie. On a vu sur certaines vidéos un groupe de personnes, d'individus et en tenue militaire, mais qui ne sont pas de l'armée nationale. Bon, prendre d'assaut le palais de la nation et scander des slogans, des cris contre le régime établi, contre les institutions actuelles, des personnes armées jusqu'aux dents, il y a eu riposte. S'agissant du jugement des personnes arrêtées de nationalité étrangère, la CNDH rassure que la justice congolaise est habilitée de poursuivre ces personnes. Bon, je ne sais pas quel pays réclame au sens vrai du mot, mais lorsque l'État congolais sera officiellement saisi pour qu'on puisse extrader, si vous voulez, ces personnes de nationalité étrangère, nous attendons de voir, en ce moment-là, toutes ces demandes d'extrader ces personnes et la CNDH va étudier le cas par cas par rapport aux accords qui peuvent lier la RDC à ces États ou ces pays. Et toujours est-il que la justice congolaise est avant tout habilitée de poursuivre de telles personnes. En dépit de tout, la Commission nationale des droits de l'homme attend les résultats des enquêtes pour se prononcer enfin. CNDH, toujours parlant de perspectives d'avenir, cette institution dirigée par Paul Sapou Mukulu a annoncé les travaux de Genève pour l'intérêt de la République démocratique du Congo dans le cadre de la protection des droits de l'homme, ainsi la commémoration du 14e anniversaire du double assassinat de Floribien Chebeya et Fidel Bazana, et qui repose désormais au mausolée en scellé. Fifi Kalumboué a interrogé Paul Sapou, on va l'écouter. Dans quelques semaines, quelques mois, nous avons beaucoup d'activités à Genève dans le cadre de l'examen périodique universel. Une étape très importante pour la CNDH et pour le pays en matière de recommandations, en matière de droits de l'homme et les recommandations qui ont été faites il y a de cela quelques années, depuis 2018 à ces jours. Il y a eu des recommandations qui étaient faites en direction de la RDC dans le cadre de la promotion et protection des droits de l'homme. Nous y revenons avec cette possibilité aussi d'examiner le statut qui est celui de la CNDH. Nous avons le statut A. Il y a d'ici là les tristement célèbres jours ou journées des commémoratives du double assassinat
de nos collègues compatriotes défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. 14 ans depuis que la vie leur avait été ôtée. Alors, cette commémoration avec leur organisation, La Voix des Sans-Voix, et les familles veuves. Les veuves sont là, les orphelins sont là, leurs familles sont là, et nous allons commémorer ce 14e anniversaire en leur présence. Et j'ose déjà annoncer que cette journée du samedi 1er juin se fera en plusieurs temps, et le moment le plus important, c'est le recueillement, non pas à Benseke, mais en Sélé, cette fois-ci au mausolée dédié à nos deux compatriotes défenseurs des droits de l'homme. Mausolée Chebeya Bazana en Sélé. Et dans l'après-midi, nous serons tous au rendez-vous pour avoir la situation du procès à l'heure qu'il est. Ça sera à Fatima, donc dans l'après-midi. Voilà les deux événements que nous attendons. D'abord, cette commémoration de ce samedi ici. Mais nous avons également une autre activité très importante, l'an 1 de la Commission nationale de droits de l'homme, avec la nouvelle équipe qui dirige cette institution d'appui à la démocratie. Ça sera au ministère, plutôt au Salon international des conférences du ministère des Affaires étrangères. Sport à présent, commençons par placer un mot en Ligue 2 du championnat national. Le FC Renaissance du Congo a clôturé en toute beauté sa saison sportive par une large victoire contre Fénéline FC sur la note de 4-2 en match de la dernière journée. Pour l'heure, les clubs orange de la capitale ne retrouvera pas la Ligue 1 suite à sa position actuelle au classement. On rappelle, les FC Renaissance du Congo occupent la deuxième position, juste après Angers, lui qui est d'office qualifié, qui jouera la saison prochaine la première division. On va continuer à suivre des prêts, d'ailleurs on en reviendra dans nos prochaines éditions du football. Toujours dans ce journal, le TP Mazembe sacré champion de la 29e édition du championnat national Ligue 1 après sa victoire hier devant la formation des Aigles du Congo sur les scores de 3-1 à Kamalondo. Retour sur ce match qui a consacré le corbeau de Lubumbashi. Commentaire Elvis Smith. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été sacré champion de la 29e édition de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle. Le club de Kamalondo a fait un parcours exceptionnel cette saison lors de sa dernière rencontre de la saison ce mercredi à Lubumbashi. Face aux Aigles du Congo, Mazembe a battu les Kinois, bien que étant déjà champion avant même ce match, 3-1. Pour ce qui est de buteur, Oscar Kabuit à la 15e minute ouvre le score pour le tout-puissant Mazembe sur un centre bien construit entre Fili Traoré et Diouf. La défense des Aigles du Congo manque l'occasion d'écarter les dangers, mais le ballon revient à la pépite de Mazembe, Oscar Kabuit, qui frappe, s'est dévié, mais la balle finit au fond du filet, 1-0. 5 minutes plus tard, c'est Glody Kikwama qui égalise pour le club de Kinshasa. Auteur du premier but de Corbeau, Oscar va doubler la mise et sera rejoint dans un festival par Zemanga Sosé. Ainsi, le Corbeau, avec une seule tache d'huile cette saison, une défaite à Kindu face au protégé de Papi Kimoto, iront en Champions League africaine aux côtés des unionistes du Maniema, deuxième du championnat. Pour ce qui est de la Coupe de Confédération, les cheminots de Sainte-Laloupopo seront accompagnés par le vainqueur de la Coupe du Congo.
C'est la fin de ce journal largement préparé par Rabbi Fouca, Jean Sielengue. Nous ont évidemment aidé à préparer cette édition. Je vous retrouve demain, même heure, sur FM Télévision pour une autre édition d'information dans notre temps d'actualité. Et ça continue sur notre chaîne YouTube.